Salut tout le monde, c'est Tarask et on se retrouve pour un nouvel épisode de Borderlands 2. Alors je suis accompagné du fidèle Iruku depuis 2-3 derniers épisodes et d'un nouveau venu, Fajitsa, alors qui n'est autre que mon frère, malheureusement. Voilà, donc là on va pouvoir, enfin vous allez pouvoir voir ce que donne Borderlands en coop. Et c'est vrai que c'est un jeu qu'on apprécie beaucoup plus en coopération que tout seul. Le problème, c'est que dans les parties publiques, eh ben, les gens viennent avec des armes modées, ils vous one-shot les boss, c'est complètement pourri. Donc autant jouer avec des potes, c'est comme ça qu'on s'amuse le plus. Voilà, et peut-être que par la suite, on sera 4. Il y a mon autre petit frère qui est un peu plus élevé que nous, donc peut-être qu'on le rejoindra. Voilà, donc là on continue l'histoire principale, on est à l'opération sauvetage, on doit aller libérer Roland. Donc on va essayer de le libérer. Voilà, on va aller prendre une bagnole, hein, ça ira plus vite. Hop, bon, je vais faire apparaître une jolie voiture avec le skin dimensionnel. Voilà, il y a la voiture moche à Nono et puis il y a notre belle bagnole juste à côté. Merde. On voit tout de suite avec qui tu te sens plus en sécurité, Fage. Ouais, il est loupé deux fois son permis, forcément. Ouais, pas grand monde, on dirait. Continue de rouler et donne un coup de klaxon. Ce sera peut-être pas si dur après tout. C'est vrai que pour entrer dans la base de bandits, donner un coup de klaxon, c'est pas con. Ouais, ouais, j'ouvre la porte. Attendez, abruti. C'est pas une de nos bagnoles. Steak barbare. C'est pas pour l'otage. Suivez-les. Impossible que tu rentres comme ça. Et sans pitié, je rentrerai que les bagnoles qui ressemblent au leur. Va voir ma sœur dans le vest. Elle pourra te mettre sur un bon coup. Ouh, la voiture a pris cher, là. Et il vit en plein territoire hors la loi. Fais attention, amigo. Vraiment. Regarde, si la voiture explose pendant qu'on est dedans, c'est quasiment le one shot. C'est quoi qu'il y a par terre? Ah oui, c'est des trucs du bouclier légendaire à Nono, ça. Si jamais tu vois Quentin, les petits trucs là par terre, là, les petites boules bleues. Ouais. Si jamais tu vois ça, c'est le bouclier à Nono qui les lâche, surtout tu cours, tu t'éloignes. Non, parce que ça tue les ennemis, mais ça tue les alliés aussi. Oh, le brutal là, il va pas faire chier. Aïe, tant pis. On n'a plus de voiture. Oh là là, j'ai pris la sauce. Oh. Et puis il craigne pas du tout ma petite mitraillette. Merci le fusil à pompe. Ouais, donc quand on joue à plusieurs, les mobs sont plus durs, hein, ça s'adapte. Par contre, ils sont beaucoup plus généreux en loot aussi. Bon, on va piquer la bagnole à Nono. Ah bah non, il y a un truc pour en faire apparaître juste à côté. C'est révoltant. Non, c'est bon. Il y avait un truc pour en faire apparaître juste à côté, j'avais pas. Bienvenue à l'Autolac nouvelle génération, avec 47% de morts en plus que les 26% annuels. C'est moins que le début. Ça freine efficacement. Bon, alors là, on change de map, on va aller dans le Dust. Alors ça y est, t'es dans le... Voilà, on est dans le Dust, on doit aller voir Ellie, donc la sœur de Scooter. Qui va nous faire une bagnole qui ressemble à celle des bandits. La voilà. Elle a des proportions hors normes.
Même les canins et les meurtres. Oui. C'était génial. Oh putain. La bouffe au McDo, elle. Ah salut, t'es déjà là toi? En plus elle est rousse, elle n'a pas d'âme. Elle ressemble pas spécialement à une fille quoi. Moi je descends pas la voiture. Elle va me manger sinon. Là il y a un petit point d'exclamation là, c'est-à-dire qu'il y aura une quête secondaire à faire par la suite, je vais la prendre. Mais pour le moment on s'intéresse à la quête principale. J'ai la rage mec. Mais pas de délico. Il fait ça. Ils faisant une partie de volleyball à tête de sadique. Vole leur balle et brûle leur filet. Alors. Mon frangin scooter m'a prévenu que tu venais. J'ai pas beaucoup de plaisir par ici, surtout des canons comme toi. Ça se comprend. Tu as sauvé ton patrolon qui est retenu au barrage. Alors tu pourrais prendre l'avantage sur les sans-pitié au volant d'un de ces bons vieux poids lourds. J'en ai un juste là, si tu. J'ai explosé mes conducteurs dedans. On va voir à quoi il ressemble le gars qui s'est fait exploser là-dedans. Ah, venez voir, il y a un truc trop bien. Il y a de la place pour deux quand même. Là derrière les. Niac, vous êtes tombé dans mon piège machiavélique. Quel enfoiré, pourquoi je l'écoute? Quel enfoiré. Et voilà, on a la possibilité de faire écraser ses amis. Et ça fait un point de défi d'ailleurs, donc. Maintenant que je vous ai eu, vous pouvez le faire un coup sur moi aussi pour avoir le défi, moi je l'avais déjà eu. Volontiers. Regardez comme il se précipite pour me tuer. Non. Pourquoi? Oh j'ai pas le défi mais je m'en fiche. Ah vas-y vas-y. Tu t'as donné le point de défi Quentin? Non. Oui, j'ai changé de skin d'ailleurs par rapport à la dernière vidéo. Ah si, défi réussi, c'est bon, je l'ai eu. C'est le défi, c'est quand tu te fais écraser en fait. Voilà, ah, donc ça doit être bon. J'ai pas remarqué. Ouais, bah, ça donnait un petit point de brutasse. J'ai perdu des sous du coup. Alors, on va faire la quête principale. Quête principale, c'est opération sauvetage. Faut récupérer des pièces de véhicule. Alors je comprends pas pourquoi ma voiture s'est retrouvée plantée dans le décor là-bas. Ah, un accouplement de voitures. Je sais ouais. Pourquoi je montais pour Xnano. Allons chercher ces pièces de véhicule. Alors là on se fait attaquer par des... Post-hélico. Ça pète de partout. Ils sont déjà morts. Un hélico. Les hélicos c'est chiant parce que ça bouge. Enfin. Alors. Pièces de véhicule, là j'ai un véhicule, voilà, alors faut les détruire pour choper des pièces. J'aurais pu mettre au lance-roquette plutôt qu'à la mitraillette. On a trouvé celui d'avant? Non. T'allais chercher un autre là? Ouais, bah faut trouver les véhicules qui se battent sur la map en fait. Il y en a plein, regarde là j'en suis déjà au deuxième. Par contre ma bagnole a pris cher, là il faut que je m'éloigne un peu. Je viens de te sauver les miches. Comme ça que tu me sauves les miches. Ah y'a mon véhicule à régène, alors... Là y'a... Tiens non, on va droit devant. Droit devant? Non, derrière, à gauche. Là y'en a là-bas de véhicule, un véhicule, y'en a un droit devant. Oh là là là. Pas celui-là. Ah ouais. Oh, je rebondis sur des. Ah, meurs, véhicule, meurs. Ah, puis y'en a un autre qui vient de pop.
Là, on récupère la petite pièce. Mince, ça c'est eux. Ah, ça c'est une caravane. Si on pète les véhicules, on peut aller agresser la caravane et voler ce qu'il y a dans le... ce qu'il y a dans la caisse. Vas-y. J'attends que la voiture régène. Je peux pas. Non mais j'attendais que la voiture régène. C'est vrai que vous pouvez faire CTRL, je crois, pour échanger de place dans le véhicule. Alors, qu'est-ce qu'on a comme arme là-dedans? Ah, un fusil à pompe. Fusil à pompe qui est mieux que tous les fusils à pompe que j'ai. Il est pas mieux. Deux munitions par tir, par contre, ça c'est moins bien. Non, je vais le laisser, peut-être que ça peut intéresser Phage. Tu veux conduire, Quentin, ou... Non, vas-y, voilà. Je préfère profiter de tes talents. J'ai envie de vomir. Du coup, il nous manque une pièce de véhicule. Ouais, faut qu'on arrive à trouver un autre véhicule sur la map. On devrait pouvoir le faire. Là-bas, il y en avait. Quoi ? Par là, ça bouge. C'est un cadavre d'hyménoptère. Je suis pas dans la zone, ça va pas le faire. Ouais, là, ça va pas le faire. Ah, là-bas. Ouais, ça me tire dessus. Merde, c'est un hélico. Justement, un hélico, des bandits. C'est la caravane. D'accord. Ah, c'est les espèces de jeep là qu'il faut qu'on construite. Il y en avoir une dans le coin là. Ils sont planqués en même temps, on a pété 4 de leur véhicule déjà. Trouvons un véhicule. Par sa qualité. Ah. Et oui, on est un soir de match. Il n'y a pas de véhicule. Peut-être tuer des hyménoptères. Je vais monter au-dessus de la falaise, puis je vais regarder un petit peu la map là. Vas-y. Tiens, non, ça c'est la caravane, zut. Non, là-bas il y a le parcours de course. Ah, ce serait quand même intolérable qu'il n'y ait pas de cinquième véhicule. On monte plus haut. C'est quoi ça? C'est... Allez. C'est des hyménoptères. Il y en a une là vers moi. Ah. Je viens de chercher. Regarde Tata, entre Tata, tu fonces dessus là. Oh mon dieu, je fonce droit sur elle. Ah, je l'ai vu. Ouais. Elle est derrière, elle est vers Nano. C'est bon. J'ai eu la pièce. T'es où Quentin? Derrière toi. Ah bah puis là, il y en a plein maintenant. Hop, vengeance, nous aurons pas comme ça. Les pauvres blancs bandits, on les plaindrait presque. Presque. Alors, on va rapporter les pièces à Ellie. Il va nous faire la totale, elle l'a dit. J'ai hâte. Voilà ta caisse comme neuve. Quelques modifications et tu pourras y aller. D'accord. Alors, on va construire le véhicule. Hop. Waouh, c'est la classe. On n'a plus qu'à l'obtenir à l'aide du système Autolock. Attends, elle est presque plus grosse que la machine d'Autolock. C'est qui la plus jolie? Si on te met à côté, tu tiens trois fois en largeur. C'est quand même bien fait, je trouve. Mm. Chouette! Tu pourras te numéraliser une caisse de bandits dans n'importe quel autologue de mon frangin. Repasse me voir à l'occasion. Allez, voilà, elle donne des quêtes secondaires, donc on va la prendre aussi. Une radiateur sur les bagnoles des Odec. Voilà, eh bien ça aurait été une vidéo relativement courte, on aura réussi à avoir ce véhicule de bandit.
Et donc moi je vais m'en arrêter là. Et on se retrouve dans le prochain épisode pour aller sauver Roland, enfin infiltrer la base des bandits. Ciao tout le monde. Salut les petits cœurs.